Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager et intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne que vous avez une information sans problème. Un ensemble de mesures qui prend au niveau de la Direction générale de la police nationale. D'abord, pour intensifier patrouille préventive au niveau zone métropolitaine, renforcer également patrouille et n'a profité d'un moment ça pour que nous disions encore à la population merci pour la collaboration que nous continuons à porter à la police nationale. Nous tendons voir la population à travers les médias qui décidaient de lever pied avec PNH là. Pour ensemble pour que nous capables croiser bandits. Ils ont fait trop tort déjà dans la société. Hein? Trop petits pays ont perdu la vie. Yo. Trop jeunes violés. Trop monde kidnappés. Et population hein, comprend la nécessité pour que nous mettions main avec la police pour que nous capables ensemble éradiquer le phénomène là et éclater le réseau de gangs qui depuis bien longtemps empêcher population paisible vaquer librement l'activité. Mais n'a dit population, il faut le faire sans violence. Dès que nous identifions un gang dans le quartier, dès que côté nous était, il y a un mouvement que nous ne pas comprendre, il y a un monté descendre, il y a des visages que nous ne pas comprendre qui paraissent suspects, relayez la police dans 38 38 11 11 et pour que la police elle-même capable de faire travail. Nous pas demander pour que vous lâchez moun ni pour yo tuer moun. Mettez la police au courant et la police même l'a fait travail pas. Hier encore et au cours de l'après-midi, DGPNH a présidé une réunion sous ensemble de propositions et qui gain pour prendre charge policiers qui victimes d'exercice fonction et parents policiers tout qui décédés. Gouvernement déjà au courant et la petite démarche là, sous peu, document ça, proposition ça pour rejoindre gouvernement. Également, proposition tout pour une meilleure gestion de ensemble matériel PNH là. Et au niveau inspection générale, gagne actuellement une campagne de sensibilisation qui a fait au niveau des DDOO, il commençait par deux DDOO. À savoir DDO l'Ouest 1 et DDO l'Ouest 2. Objectif là, c'est pour parler avec eux concernant Douamoun et question Kaboul en tout et usage force là et comment que ils sont capables eux-mêmes faire un meilleur usage de ça au gain comme matériel également sous comportement policier. Tentative kidnapping dans rue des casernes. Porte-parole police l'a confirmé. Gen pou pipiti 3 bandits qui boit de l'eau dans eux, 2 véhicules confisqués. Gary Desrosiers fait connaître tout. Gen yon machine la police, yon pick-up Toyota, Land Cruiser blanche, plaque 01189. Bandits yon lagué avec lui. Population a dû rester veatif avec machine si là, d'après Gary Desrosiers qui était dans micro, Magerson Félistin. Nous tout connaissons, t'es gagné. Il y a une tentative de kidnapping et dans la zone rue des casernes. Heureusement, il y a gagné des patrouilles qui étaient dans la zone non, et qui, suite à l'information, arrivaient des villes. Et ça a vint provoquer une situation d'échange de tir entre la police et les bandits. Et tout de suite, la patrouille qui était là, est obligé de demander renfort et renfort est venu. Malheureusement, gagné pour Pipiti, 3 bandits qui stoppaient et qui malheureusement blessés mortellement. Il y a 2 véhicules qui confisqués et pendant échange de tir là, et parce que M. Bandio pratiquement été dans, disons, dans toute zone là, il était en pile et gagné un véhicule de police qui est arrivé à la réclée qui c'est un total Land Cruiser pick-up, 4 portes de couleur blanche. Niveau plaque là, c'est 1-01189. L'important pour nous signaler encore à la population.
veye ak machin sa ki se yon pick-up Toyota Land Cruiser sa ou les Zoe 15 pick-up ou machin tout neuf liye 4 potes deux couleurs blanches numéro plaque lan c'est 1-0189 nous mandé population pour veye actif à numéro sa et demander la presse surtout dans le reportage on va le faire pour nous stipuler bien description ça que m'ba nous concernant plaque et machine. Gagné 6 présumés bandits qui lynchés par la population et qui malheureusement blessés mortellement. Gagné plusieurs bandits lors d'opération tout qui stoppés et qui blessés mortellement. Au niveau de l'accident de circulation, nous avons enregistré 6 personnes qui blessés lors d'accident de circulation et malheureusement 15 morts lors d'accident de circulation. Nous avons recensé 5 cas de viol et gagné plusieurs arrestations qui faites. En total, sous tout le pays, 233 arrestations. Chef d'accusation, détention illégale, ZAM, trafic illicite de marijuana, homicide, viol, viol sur mineur, enlèvement et séquestration. Nous croyons des bouquets, nous connaissons que l'opération a continué dans la zone Sahara. Et n'a partagé un petit bilan de l'opération Croix des Bouquets parce que la police dit même qu'il y a un capli encore sous Croix des Bouquets parce que la population Croix des Bouquets hein, doit râler en souffle et yo pote tout en pile collaboration avec nous. Gagné pour Croix des Bouquets seulement, un bilan partiel du premier à date. Gagné 40 arrestations qui fait, gagné 3 âmes qui saisies, yon M14, yon T65, yon pistolet de calibre 9 mm. Gagné 14 bandits qui blessés mortellement au cours de champ de tir avec la police pendant l'opération. Gagné 2 policiers malheureusement qui tués pendant l'opération. Gagné 2 policiers qui blessés, gagné 3 véhicules qui confisqués. Le 11 mars 2022, au cours d'une patrouille dans la zone Carrefour Taille, à proximité de Milo, gagné 4 suspects qui était à bord un véhicule Odeo de couleur noire, numéro plaque c'est AA21188. Et pendant la police a privé sur yo, monsieur yo, yo tiré en direction de la police. Malheureusement, Guillaume Nadero qui blessé mortellement, qui relé Juno, ainsi connu. Nous joignons, nous récupérer un pistolet de calibre 9 mm, chargeur, un fusil 12. 5 manchettes, yon épée, et puis 4 livrets, banque, et puis un véhicule. Toujours dans le Nord, le 14 mars 2022, la police, dans le département Nord, mène une opération, c'est une opération conjointe SDPJ et UDMO, et dans Chada 1, gagné 7 présumés bandits qui arrêtés, 3 armes saisies, plusieurs cartouches, 2 passeports, également 2 paquets de marijuana, 2 téléphones. Dans quatre dossiers, la mort policier Séraphin Marcellus, qui était faite le 17 mai 2019. Également, ex-commissaire principal Patrice Israël, qui était faite le 19 janvier 2020. DCPJ arrêté Christopher Alexandre, Anderson Jérôme, Emerson Anus, qui continue que les Gabo. Tout le monde fait partie de 400 Marozo. Arrestation a fait le 21 février, le 1er et 2 mars 2022. Gagné plusieurs suivis d'enquête qu'a fait au niveau de homicides qui sont cités au niveau de la direction centrale de la police judiciaire et sous la mort et policier, également l'autre frère Axenou qui est victime de bandits. Et pour jeunes confrères journalistes qui malheureusement t'es tué pendant que t'a fait travail, il t'a couvri en manifestation un ouvrier et gagné DCPJ qui déjà tendait deux ou trois témoins dans quatre dossiers ça. Au moment opportun, n'a en mesure pour que n'informer la presse de enquête sous confrère. DCPJ arrêté pour homicide le 7 février 2022. Amir Ballet, Pierre-Richard Georges, pour implication présumée dans la mort Robinson et d'Alain Préville, qui était faite dans Croix des Bouquets
le 5 septembre et le 15 novembre 2021. Gagné Franz Miller, qui a arrêté tout pour implication présumée, dans la mort Emmanuel Georges et Wiggins Léger, respectivement dans la nuit, respectivement, dans Rue Chavanne et Rue Monsieur Guillaume, dans la nuit du 2 au 3 mai 2021. Notez bien, policier André Stanley était arrêté dans le cadre de dossier Sato le 5 novembre 2021. Jean-Fritz Gérald Ricordo registre, DCPJ arrêté l'entorselle le 26 janvier 2022 pour implication présumée dans la mort policier Emmanuel Silencieux Gentil qui était faite malheureusement le 18 juin 2021. Chaque secteur, vous-même, vous prenez que vous organisez les victimes. Mais c'est pas comme ça lié. 86, c'est le peuple haïtien qui te met ensemble. Vous êtes débarrassé du pays, du régime qui va les risques là. Je dis à côté population, côté peuple haïtien, la police, qui ça nous doit comprendre de vous-même, population, les rassembler pour que les disent non à kidnapping ou tirer gaz sur eux. On tire journaliste, élève l'école dans la rue, a dit non à kidnapping, libérer directeur yo, ou battre yo, ou regarde sur yo. Qui ça n'a dit? Est-ce que je dis à, nous avons dit, population en ligue la police qui pour servir et protéger? Nous demandons la population pour que yo organise yo. Moun Montana yo, l'autre accord yo, n'a pas pour population li prend la rue pour nous-mêmes, pour Ariel qui était primati, qui était par le national. Après ça, nous-mêmes pour que la diriger. Moi, je dis à la population, elle est assez intelligente. Rete la caille, nous. Rete la paix, nous, chaque jour. Qu'on est Ariel pour quitter le pouvoir pour nous-mêmes. Pas prendre la rue, pas organiser nous. Pas mettre nous ensemble pour que nous débarrassions le pays de ce qui a passé. Nous-mêmes, dans le rassemblement contre l'impunité, en plus de l'organisation qui est là avec nous, nous conscients, en plus de l'organisation qui est là, eux-mêmes, l'organisation ça, ils tiennent à ce que nous mettons ensemble pour que nous disions non à kidnapping. On dit non à insécurité. Est-ce que je dis à nous, j'entendais Ariel Henry, voyons notre, pour dire condamner quand il y a des gens qui ont kidnappé, quand il y a des gens qui ont mouru Matissan, quand il y a des gens qui ont mouru Kwade Bouke? Ça n'a pas intéressé. Ça qui intéresse Ariel, c'est organiser l'élection pour l'albaï équipe criminelle parallèle au pouvoir. Est-ce que nous-mêmes, population, nous apprenons pour Ariel quitter le pouvoir comme ça, sans que nous ne pas mettre nous ensemble? Nous-mêmes, je dis, nous rassemblons sous place constitution. Nous disons, population, si méchants, ils ont été organisés, yo te mette en application constitution 1987 là, ça va pas jamais passer comme ça. C'est parce que yo pas jamais mette en application constitution 1987 là. Et moun ka parle, yo dit faut yo bay un piki de conscience. Piki conscience ça, li concerne tout chef d'état qui passé ben dernière année yo. Yo tout ça qu'a parlé de piki conscience yo même yo mérité pour prendre piki conscience là tout pour que ça yo contribuer pour payer dans sa vie aujourd'hui. Nous capable dit population depuis 20 ans 20 dernières années yo tout chef d'état qui vient tout premier ministre qui vient premier ministre yo, c'est des méchants yo, c'est des monde qui a organisé yo pour poche pour famille yo. Je dis à nous même nous croyons que piki conscience ça les supposés à tout le monde qui contribue à mettre Haïti dans sa lieu aujourd'hui. Peuple haïtien, nous tous nous concernés. Ce qui a passé aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui pouvons libérer le pays. En nous mettons ensemble, en nous organisons pour retirer Haïti dans sa lieu aujourd'hui. Professionnels, étudiants qui sont dans la rue, parce qu'ils ont kidnappé un voisin. Yo kidnappé yon compatriote, yo kidnappé en famille, yo kidnappé en sœur, en madame, en tonton, en tatan. Vague d'indignation sa yo a résonné dans tête tout le monde, dans tête toute famille, dans toute région en la pays. C'est nous-mêmes comme dirigeants professionnels, forum politique, plateforme société civile, organisation de base, qui doit prendre responsabilité face à gros menaces des gringos là de ça que nous là dans le pays d'Haïti. Donc territoire a de plus en plus
assiégé. Et malheureusement, force sécurité qui a supposé prendre ça en charge, qui est dépassé par l'événement, malgré l'effort que quelques monde dans la police l'a fait. Mais pas oublier que la police là lui-même, il attaquait un désordre institutionnalisé ça qu'a fait dans le pays, parce que il même tout, il a subi conséquences ça qu'a fait là. Il y a une bonne famille courue qui était la caillou. Et famille ça est obligé de quitter. Qui gros capital que vous avez gagné, c'est Caillou. Pensez que l'île est temps pour nous-mêmes, nous faisons une grosse coalition d'acteurs pour nous connaître comment on a fait face à la situation. Nous pensons que c'est une large coalition qui permet de nous faire face à la situation terrain gauche, situation maloque, situation extrêmement difficile que le peuple haïtien a vivre là-dedans. C'est pour ça nous-mêmes, bon côté pas nous, nous pensons qu'il y a une série de résolutions qui t'a supposé. Dans le chemin, nous pensons que tu as supposé tracer pour nous faire face à la situation. Ça, nous supposons continuer le travail à toute instance qui est en dedans à Commandana. Et là, nous voulons parler de bureau suivi à BSA, de Conseil national de transition, de forum politique là, de plateforme société civile là, pendant n'a parlé à tout l'autre monde et l'autre allié qui pas en dedans à quoi pour nous joindre un consensus gouvernabilité parce que pays a besoin de consensus ça parce que c'est celle un consensus national qui permet nous établir bon gens sécurité en dedans pays d'Haïti poser et puis résoudre problème gang yo permettre citoyens yo régler les affaires yo pendant y a circuler sur territoire libé sans qu'elle saute. Bien sûr en Haïti comme nous pas habitué parler yon avec l'autre c'est un processus et en dans processus là sou vle gen en pile moment et dans moment yo il y a des frictions et nous trouver des frictions qui normal sous question de qui le non c'est un non processus que nous y moi même côté que j'étais là m'pa ka di qui le n'a privé dans bout négociation nous gros pays qui gen toutes caractéristiques pays qui est en situation de conflit. Et d'ailleurs, nous-mêmes qui avons parlé là, pas gagnons nous qui là qui a passé Matissan en difficulté. Pas gagnons nous qui là qui a le quoi de bouquet. Son pays qui est assiégé. Il y a des gens en dedans à Commandana qui subit attaque semaine dernière. Il y a des gens qui ont manqué, kidnappé, qui n'ont pas fort Commandana là pendant que nous avons parlé là. Donc son pays qui est en grande difficulté. Nous voyons que étudiants, élèves, écoliers dans la rue. Médecins dans la rue, professionnels dans la rue, syndicats dans la rue, son pays qui proche un éclatement. Et c'est ça qui fait, qui est extrêmement important. L'un a parlé de nécessité pour nous tous chita ensemble, pour nous assurer. Nous avons tout acteur qui est important dans le pays pour nous adresser la crise. Je parle avec tout le monde, pas de monde qui a solution pays à Konyala. C'est différents acteurs qui sont importants dans le pays d'Haïti pour nous chita ensemble, pour nous assurer nous que nous avons fait face à gros défis. Dans correspondance 3 pages ça que rédaction Henri Vejoine, même Congrès américain ça yo frappé Premier ministre Ariel Henry très fort. Pour commencer, congressmen yo exprimé préoccupation yo face à crise politique qui gagne en Haïti ya et mandé en même temps ak administration Biden Harris là pour permettre à peuple haïtien prendre destin en main pour compte li. Pour parlementaire ça yo, li important pour États-Unis supporter yon consensus entre acteurs politiques yo, société civile là, secteur religieux et secteur privé pour y créer une transition démocratique que société civile haïtienne dans lui-même pral diriger. Dans l'être ça, message même congrès au clair et au pas passer par quatre chemins. Pas qu'a gain élection dans Jean insécurité à là mais tout pas qu'a gain élection avec Ariel Henry comme chef gouvernement à cause gros défi insécurité à poser en Haïti, li impossible pour organiser élection dans un climat comme ça, c'est ça. Yo écrit Joe Biden. Selon parlementaire yo, organisation élection nan moment côté citoyen yo pè pran la ri pou yo pa mouri ou bien kidnappé capable gen gros impact sou processus électoral la. Mam Congrès a yo mandé administration américaine nan pou bay priorité pito ak la paix et puis sécurité en Haïti. Yo di yo kwè élection yo nécessaire c'est vrai, mais li pasifi pou pote stabilité nan peyi a. Si conditions yo pa réuni et puis si pa gen consensus ki joine entre différents acteurs yo. Nous pensons qu'il y a une voie qui existait qui ka mener Haïti sur route yon transition démocratique que peuple a lui-même a supporté. Cependant, toute disposition ka prend pour mener pays a nan yon transition comme ça, gen pile chance pour le pa bay résultat si États-Unis continuer supporter gouvernement de facto Ariel Henry qui selon yo même pa gen aucun intérêt pour négocier avec sincérité. Pour même Congrès ayo, si pas administration Biden n'a bay docteur Henry a semblait dépamer ak propre objectif même administration sa bay tête li qui s'est penché balance politique là en Haïti, ça veut dire
pour yo pa gen aucun camp. Ariel Henry pa gen légitimité pour organiser élection sa yo et li pa fè consensus ki ta ka permettre population sorti al voter. Légitimité premier ministre lan sorti bon côté communauté internationale là, mais c'est pas peuple haïtien ki balil, c'est ça parlementaire aura possible boudi. Yo di yo espérer administration ki nan tête pays tonton Sam pour moment ça pral prend bon jan mezi pour engager le bon côté mam nan société civile haïtienne nan secteur privé a organisation politique yo pour capable offrir une solution tout moun ka retrouvé yo la dan. Objectif la c'est lan yo même c'est mener Haïti sou route yon démocratie kap dire longtemps. Parallèlement, sept parlementaires sa yo di yo gen gros inquiétude pour Jean gouvernement Ariel Henry a géré enquête sous assassinat ancien président Jovenel Moïse la. Yo di yo wè investigation yo pas progressé et même gen moun kap mené enquête la en Haïti kap sibi menace ak intimidation. Congressmen yo di yo pense li important pour autant intellectuel ak lot moun ki te gen implication direct nan assassinat président Moïse la pour yo répondre ak zak yo pose et puis pour limye fait sous dossier. Comme même congrès a nous mandé pressé ak administration lan pour prendre mezi nécessaire pour toujours ba nou information sou enquête la, examiner et puis publier en façon détaillée wòl tout citoyen ou bien organisation américaine ta joué dans la mosa, semblé individu qui était déjà travaillé comme informateur pour États-Unis, c'est ça. Parlementaire yo écrit Joe Biden. Nan mois janvier passé, n'a rappelé Congrès américain était déjà à travers une loi mandé pour gen bon jan enquête qui fait sous assassinat ancien chef l'État haïtien. Loi te même bay 3 mois à département d'État, ça veut dire en avril k'ap vini la pour produire un rapport qui bay une description détaillée sous circonstances qui entourer la mort. Rapport ça doit examiner tout si pa gen l'autre pays k'ap vini fouiller pied yo 17 longueur nan enquête officielle là. Document doit regarder tout si youn nan l'hôtel ak sa pat yon employé gouvernement américain nan ane ki pase yo. Et pour finir net ak correspondant sa, parlementaire yon mande administration américaine nan avec toute sagesse pour quitter pepa ici en choisi propre destin politique li. Pendan yon mande président Biden pour retirer tout sipo la bay gouvernement de facto Ariel Henry, yon invité États-Unis pour aider acte ki implique nan enquête sou assassinat ancien chef l'État haïtien yon, nan pote solution ak problème insécurité et puis gros défi institutionnel yo. Américain doit supporter élection libre, équitable, transparent ak inclusive en Haïti seulement si conditions politiques ak sécurité yo permet ça. C'est ça congressman sa yo rappelé pendant yo fait konnen politique Washington a mené nan pays a depuis un bon bout de temps pas conforme ak volonté peuple haïtien ak l'idée démocratie a et puis ak yon l'état ki chita sous la loi. Cet même congrès a di yo pa gen doute sou sa, certains aspects politiques américains nan par rapport à Haïti pa permettre gen développement, la paix ak sécurité nan pays a. Yo mandé administration Biden Harris la pour profiter opportunité ça pour réparer toute erreur yo te fait nan année passée yo et puis bay soutien ak population haïtienne nan dans l'idée pour mettre pays a sou route yon véritable démocratie. N'a fait connait en bas correspondant ça qui a joint tout secrétaire d'état américain Anthony Blinken gagné 8 noms qui affiché Green Siati qui manquait a c'est Siati démocrate Dwight Evans qui s'est élu 3e district l'état Pennsylvanie dans chambre représentant. Classe politique là pas prêt pour réagir sous correspondance congressman américain yo adressé à président américain Joe Biden pour mandel désolidariser l'ak PM Ariel Henry qui d'après yo pas gen moralité pour organiser élection dans pays ya. Dirigeant politique qui c'est en même temps spécialiste dans affaires relations internationales professeur Victor Benoît paraît prudent face à qui a démarche comme ça. États-Unis sont un pays libéral, sont un pays démocratique, quel soit dit si vous habitez derrière la démocratie là, mais sont un pays démocratique lié. Les parlementaires ne sont pas totalement sous la position du gouvernement, du pouvoir exécutif. C'est normal qu'à l'intérieur du Congrès, à l'intérieur du Parlement américain, on trouve des personnalités qui n'approuvent pas la politique de M. Ariel en Haïti. D'accord, c'est normal, oui, ça, on va. De même, pourquoi bien tout, il y a mon autre bois tout, qui, pour des raisons idéologiques ou bien pour d'autres raisons inavouées, qui est capable d'être pas derrière Ariel tout. D'accord. Pas oublier, gros fait historique qui passe non en tant que peuple. Toutefois, professeur université à quoi, initiative ça est capable de retomber positive pour ensemble raison ça yo. Tel que Mkode
États-Unis, il est capable de faire taille d'huile. Ou capable de voir les libéraux nord-américains, de différentes structures, de différentes institutions, ou capable de voir une stratégie qui menait, en bonne, et puis qui de plus en plus défavorable à gouvernement en place là. C'est un bail qui est probable. Mba di sou certitude. Yon position ki pa tro depaman ak kompréhension yon nan dirijan organizasyon pep kap lute OPL. Daniel Siriak, wè desisyon sa atankou, yon pa important ki gen tout importans li. Lò ou konsidere desisyon kongre a en termes d'orientation budget et les États-Unis sous question aide financière et yon kon bay Haïti. En termes d'augmenter nombre de pression ki kap exerse deja administration Biden là et en termes de possibilités pour clarifier davantage la situation. Il est capable pour le moins servir de prétexte à administration Biden là pour que il est capable de prendre une décision éventuellement dans le sens qui est capable d'aider à déblocage situation en Haïti. Est-ce que Ariel Henry pas gain légitimité pour réaliser élection dans pays? Jean Congressman yo quoi ça? Position dirigeant politique là pas changé. On se comprend ça et le premier jour que Ariel Henry était autoproclamé tête le premier ministre en Haïti. Donc ce qui base nous d'après le fait Ariel Henry crédit pour l'État capable de réaliser élection dans pays là. Alors que, un, li pas légal dans le pouvoir, li pas légitime, et monsieur, c'est gestion troisième version, régime PHTK à la fin, un pouvoir qui reposait sur le banditisme, sur la corruption, sur l'insécurité et le kidnapping. En rien pour qu'on clair pour l'organisation prochaine compétition électorale, yo, ancien président Jovenel Moïse te baille Ariel Henry comme mission pour organiser. Yo. Mette campé KIP a toujours dans l'impasse, plusieurs départements dans le Grand Sud la coupé de capital la, population civile la toujours pas cassé dans certains quartiers, tant qu'on croit des bouquets avec Matissan. Mette sous sa classe politique la en désaccord avec PM de facto, a, qui genol ap cité comme quoi li pata innocent dans tout ancien président Jovenel Moïse. Organiser élection dans un contexte comme ça pour un pile monde, c'est ajouter 5 nouvelles années d'instabilité politique chronique sous crise qui gagne dans le pays depuis plus passé en décennie. M'a lancé un appel solennel à toute parti politique, y compris et surtout compatriotes qui dans groupe Montanayo et ça qui était dans Peigno, à secteur privé formel et informel, à secteur religieux, à toute société civile en général. Pour nous toutes, vine chita pour nous construire dans tête ensemble un consensus largement large sur des questions fondamentales pour l'avenir pays. C'est-à-dire élaboration à adoption de nouvelle constitution et organisation bon genre élection pour peuple haïtien qui a choisi en toute liberté, femme à garçon, livelé, remettre. Direction PIA au niveau national tant qu'au niveau local. Tout haïtien qui dit que c'est démocrate, pas ta fait pour un problème avec des questions sérieuses. Et pas ta doué trop difficile non plus. Pour nous joindre, yon entente sous yo. Personne pas un droit veto sous avenir peuple haïtien. Nous doué, depuis Kounia, mettez en place yon conseil électoral crédible et impartial qui pour commencer travail pour préparer échéance électorale qu'a bien pour arriver vle pas vle. Nous perdu trop de temps dans chirépite. Nous perdu trop de temps dans fait manœuvre avec distraction pour montrer c'est nous qui pi bon. C'est nous qui pi vle dialogue. L'île le temps pour nous créer conditions pour nous sortir pays à non trou côté mauvaise gouvernance la guerre. Haïti besoin unité, Haïti besoin sécurité, Haïti besoin stabilité. Chaque monde doit prendre responsabilité yo dans sens ça. Les difficultés c'est pas lever parti ni qui craser yon quitter ça, c'est pour nous camper ou même pour nous faire face à problème. C'est dans le dialogue pour nous chercher et pour nous trouver bonne solution. Nous ne sommes pas obligés d'accord sur toute bagaille pour nous travailler ensemble. Mais nous devons entendre
pour sous l'essentiel. C'est ça que je propose tout acteur aujourd'hui. Je compte sur tout haïtien et toute haïtienne de bonne volonté pour venir mettre main dans le combat pour sauver la démocratie en Haïti. Il y a plusieurs pays dans les Caraïbes, dans l'Amérique latine et parmi les membres de l'Organisation internationale francophonie, ça y est l'OIF, qui paraît pour venir accompagner nous et porter concours que nous besoin pour aider nous joindre plus bonne stratégie à tragédie n'a traversé et sorti pays dans mal cité. Haïtiens, haïtiennes, chers compatriotes, moi-même avec tout gouvernement nous parer pour dialogue là, nous parer pour grand combat là et ou même pays noir gain en pile problème. Sous côté la vie chère, avec chômage, insécurité, avec kidnapping, c'est deux plus gros préoccupations dans le pays qui causaient en pile stress. Et puis qui mangeait toute économie yon moun gagné et même fait nous dépenser ça ne pas posséder. Moi je voulais dire nous aujourd'hui, moi connais ça n'a enduré parce que moi-même tout personnellement problème là touché. Moi tremblé rel yo k'ap sorti tout partout. Chaque fois yo kidnappé yon maman, yon papa, yon ti moun, yon frère, yon sœur. C'est tout yon corps famille qui frappé. C'est toute société qui touché parce que gangster sa yo pas respecté rien ni personne. Question insécurité a c'est un gros souci pour gouvernement. Même gens ak pou peuple haïtien. C'est chaque jour moi en contact ak membre CSPN yo ak commandant en chef police là. Nous pas fait un pile bruit sur action PNH mené plusieurs côtés. Mais grand pile bagaille qui fait et la police remporté plusieurs victoires. Moi connais tout monde attend qui le route Matissan a réouvert pour tout monde avec marchandises qu'a circuler libre et libre sans personne pas besoin peur pour la vie li fait le prend l'elle prend route là l'état doit reprendre contrôle tout territoire c'est trop attend la pérèse doit changer quand c'est pas citoyen honnête qui pour paix bandit c'est bandit qui pour paix la police gen moun k'ap fè vie bruit couri sur réseaux sociaux comme qui dirait la police t'a arrêté bandit et puis moun nan pouvoir t'a relé pour faire la guerre gouvernement m'ap dirije a pas jamais tolérer modèle agissement sa yo si un citoyen gen preuve yon bagay kon sa ta fèt fè m konnen non moun nan m'a fait une enquête et m'a tracé un exemple. M'a répété ça m'a toujours dit. Nous pas dans business protéger bandi. Place bandi c'est dans prison ou sinon en batte. Grève association propriétaire et chauffeur Haïti a été souhaité organiser dans grand site pays à sorti jeudi 17 pour arriver 20 mars cap venir là d'après déclaration MEU changé syndicaliste là fait connait yo prend décision ça sous demande plusieurs autres secteurs dans société civile là qui quoi c'est un gros lever campé qui pour fête pour sur tout territoire national là pour dénoncer phénomène insécurité surtout za kidnapping cap saccager société là. Organisation Sayo qui dit yo pral mobiliser pour démarrer un mouvement national pour dire non à insécurité à kidnapping toutefois pour qu'il y ait aucune date qui baille pour grève générale ça insécurité ça gain gros conséquences sur secteur transport d'après MEU changé qui fait qu'on a gain 9 mois depuis secteur a mal fonctionné en coutel dans micro Peterson Luxama par rapport à demande tout l'autre syndicat yo yo mandé non pour nous on cap faire une grève les pour département grand sud là par rapport à date qui date de ravager pays là avec des conseils avec tout l'autre syndicat yo mandé nous pour nous camper grève là et pour nous remobiliser pour tout 10 départements pour décoller ensemble avec nous pour nous faire un autre mouvement d'une façon pour tout le monde participer pour nous voir comment nous sommes capables de réveiller nos fins avec Matissan qui est posé transporteur, qui est posé population, évacuée à occupation. La campagne mouvement, tout le monde, tout le monde syndicat.
qui m'a dit son mouvement national pour lui, c'est pas un bagage sectoriel pour lui. Tout syndicat, on le voit tout ensemble pour nous faire un mouvement national pour nous le gouvernement qui l'a mettre fin avec qui l'a pinté en ravage pays. Nous, on peut parler avec l'organisation 4 décembre, pas que pour l'organisation société civile, nous faisons première rencontre déjà là, et écoutez-nous, tout le monde ensemble pour nous faire un mouvement national pour nous voir si le gouvernement a obligé de prendre revendication nous aussi. Nous, nous avons près de 9 mois là, côté secteur transport à Pourinet, côté nous pas qu'à payer bon machine nous, parce qu'on connaît, malgré qu'il y a quelques grandes machines qu'on essaie de passer quand même. Mais où est-ce que ça concerne? Tu prends un camion tout chargé, tu prends un camion et autobus tout chargé, et là, tu prends tout ça, mon possédé, et qu'on a mon presque pas voyager, si quelqu'un qui voyage, c'est un avion voyage, ça nous charge problème. Nous venons à Pourinet, dans ce secteur transport, nous pas qu'à fonctionner même, ou pas qu'à saisir pour être pour bien, pas qu'à manger pour nous là, parce qu'il y a des salles de conduite, et qu'il y a un chauffeur tout cas très très en difficulté pour fonctionner, parce que nous même dans ce secteur transport, nous paye vraiment difficile pour nous, et c'est ça que fait. Dans les étapes, nous pouvons faire là, c'est tout. On va lire 3 jours francs pour que lui présente Jean-Marie Altima des excuses. Sinon, ma prend chemin la justice. Oui, c'est Jean-Marie Altima qui a parlé la même. Il était directeur général conseil télécommunication yo Konatel, sorti mois avril 2016, rivé mai 2017. Mais si a parlé comme ça, après fondation J'éclairé, fin rend public yon rapport analyse sous Jean dirigeant Konatel yo, ta fait route crochi avec l'agent programme Sugoa, sorti l'année 2011, rivé l'année 2017. D'après Jean-Marie Altema, organisation doit moun lan pa konn sa la pale a, nan sa ki gen pou wè ak gestion li nan tête boîte sa. Pou mouche a, FJKL ak Landjez couché nan même cabane, c'est Cabri Tomazo même plimay. Moi rentré pour l'hôtel le 22 avril 2016, moi quitté le 2 mai 2017. Et le document que Madame Marie-Hélène Jean partage avec moi, qui est le rapport, il parlait de 20 000. Donc, entre 2 000 et 20 000, bon paquet de bagages qui a passé. Dans le document FJKL, là, qui reprend une conclusion auditoriale, dans le cadre d'audit sous gestion Jean-Marie Altema, c'est pas 2-3 coups de mal taillé, c'est pas 2-3 mauvais coups de plume yo joine, qui fait pas d'un rey Altema dans Konatel. Dépenses tête en bas, contrat suspect, exécution projet sans planification, sans rapport, c'était un véritable brigandage financier, sin quoi rapport analyse FJKL. Jean-Marie Altema lui-même fait connaître pas gagne rien qui gagne pour avec vérité dans travail FJKL. Pour ancien DGA, c'est chinois FJKL a parlé. Moi pas jamais signé contrat avec Film by Tech International. L'autre bagage que le parler encore, il parle de projet préparé net et mon pari pour mon bail FJKL information sur ça, explication sur ça, on soumet des documents à la Cour des comptes qui analyser et pour bien ça, c'est un projet qui est visé à former des jeunes dans réparation téléphone cellulaire. C'est chaque projet yo, bon fiche technique accompagnée de budget. Tout document ça, vous soumettez à la Cour des comptes. La page 9 rapport, Madame Gilles fait mention d'un budget. Bon, par contre, côté, je viens de suivre ça, et c'est pour ça que je exige que Fondation J'éclairé, baille information ça, côté, je viens. Jean-Marie Altema fait Fondation J'éclairé avec la société comprendre. Attention, li pa gen doit être longue supérieure, li respecte tête li. Ingénieur a souligné, pendant passage li dans tête Konatel, li te marché sous 13 li pour le pas de piler 14. En plus de ça, m'a dit pour toute population. Je fais ça, la loi exige de me faire. Je me soumets à la Cour des comptes. Régulièrement, chaque 3 mois, rapport de gestion pendant le directeur général entre 22 avril 2016 et 2 mai 2017. Je me soumets un rapport de gestion qui est là dans tout détail, toute dépense que l'administration me fait, même gens les recommandés par la loi. Jean-Marie Altema expliquait l'élap qui te Konatel, c'est lui-même qui te demandé la Cour des comptes, tant pris souple, vin founi j'ai gardé, vin faire un audit sous gestion li pendant si temps le passé comme DG. Chose dite, chose faite, selon les spécialistes dans la cybersécurité, la Cour a voué une commission vient gérer ça. Il y a un premier rapport qui sortit en faveur ancien directeur. Toujours d'après M. Altema, il y a un juge qui était estimé faut qu'il y ait un autre rapport qui produit. Et c'est là tout débat après le commencer. Dans le deuxième rapport, si là, il y a un petit bagage qui ne peut pas paraître trop clair. Jean-Marie Altema, qui fait connaître, il te fournit bon genre explication nécessaire, dit il est toujours chita sous T-Chess Bali, il croise pied, il a obtenu un rapport final, c'est SCCA. Information nécessaire que me débat à collège. De jugement, explication et documents que me débat à collège de jugement qui ont accusé l'exécution, eh bien, je ne vais pas recevoir aucune information en plus sur ça.